Hey you les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous montrer comment accéder à la résistance de chauffage sur un Scénic 1 phase 2 à 19 DCI. Donc premièrement, en fait, elle est ici en dessous de la petite boîte à gants là. Donc, bien sûr, ils n'ont pas fait une boîte à gants qui est démontable. Il faut démonter tout le haut du tableau de bord. Donc il n'y a rien de très compliqué pour le démonter. Il vous suffit de déclipser les caches haut-parleurs qui sont là. Et en fait, à ce niveau ici, juste ici là, il y a une petite vis torse comme ça de 20. Il faut desserrer de ce côté-là. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a une deuxième petite vis torse. Et ensuite, vous venez vous le tirer, l'éclipser. En fait, c'est clipsé ici. De là, vous pouvez enlever. Vous avez enlevé les deux vis. Vous sortez ce tableau de bord. Vous sortez tout le haut de tableau de bord. Un peu à l'ancienne, comme sur les Twingo. Je sais pas pour les connaisseurs. Et ensuite, en fait, la résistance, ça se trouve ici. Il y avait une durite là, qui permet, enfin une durite qui permet la transmission de l'air sur la trappe ici. Donc ici là-bas il se déclipse, je vais tirer dessus, elle se déclipse et en fait on peut voir que la résistance elle va être juste là en dessous. Elle est là ici, voilà. Je vais vous la montrer si j'y arrive. Le problème c'est qu'en fait on arrive à la déclipser d'un côté mais pas de l'autre. Donc ce que je fais ici je le lève, en fait j'essaie de le lever. Hop, là voici la résistance, elle est juste là. Oui, il y a la prise rouge et la petite vis de 6. Donc là, vous faut un embout de 6 avec un cliquet, une rallonge et vous desserrez.